Salut les amis, dernière vidéo de la journée et je retrouve Matthew King qui est chef de produit chez ET8, même un petit peu plus puisqu'il a, il a pris du galon, j'ai l'impression. En tout cas, les rôles ont été un petit peu modifiés là ces derniers temps. Tu vas nous expliquer tout ça. Salut Mathieu. Mais là, on est là pour parler subsurf puisque ET8 s'est lancé l'année dernière dans le subsurf gonflable. On en a parlé avec un article, avec une interview avec Nicolas Abrin. Et puis, mais toi aussi, tu as bien bossé sur le sujet, donc tu connais très bien ton sujet. Comment ça va, Matt? Super, moi, je suis content de te voir, Matt. Bienvenue en Dai, en tout cas. Merci beaucoup. Super. Donc, alors, quel est ton rôle exact actuellement chez ET8 du alors, coup? C'est vrai, j'ai un parcours assez long chez ET8. On était à l'initiative de la marque en 2014, on avait lancé la marque ET8. Donc, j'ai d'abord été ingénieur produit sur lequel je travaillais, je développais les produits. Et ensuite, j'ai été chef de produit pendant 2 ans et demi. Dont j'ai participé à lancer la gamme surf que Nico Abrin a repris derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour former aussi les moniteurs. Et maintenant je suis directeur technique. Ça veut dire que j'encadre l'équipe de conception, les designers et les ingénieurs pour structurer l'activité, écrire les stratégies et puis organiser un petit peu toutes nos ressources, nos moyens pour faire les meilleurs produits du monde. Ok, super. Tout simplement. Génial. On va parler subsurf donc. Deux modèles en subsurf gonflable. Exact, c'est la troisième génération de subsurf qu'on lance. On avait commencé il y a longtemps et ça a beaucoup évolué. Les matériaux, les produits, tout ça, les formes ont beaucoup changé. Et là, je suis super content de présenter cette troisième génération de planche qui est hyper aboutie. Donc cette année, on a deux modèles. On a un modèle en 10 pieds et un modèle en 9 pieds. Okay. Le modèle en 9 pieds, plutôt pour les moins de 65 kg, j'avais le souhait de aussi s'adresser aux femmes parce que les modèles 10 pieds étaient trop grands, trop lourds pour elles. Et là, en moins de 60, le 9 pieds, il est parfait, il fait 9,28, 120 litres, et donc hyper maniable. D'accord, 9,28, 120 litres. 120 litres, okay. Ouais, hyper maniable, très léger. Et un 10 pieds, c'est celui que j'ai dans les mains là, en ouais. 10,31, 140 litres, qui va jusqu'à porter 110 kg dans la vague. Donc, allez, il est pour moi, celui-là. Il est facile, et puis pour ceux qui veulent mixer à des petites randonnées, parce qu'il est plutôt fait pour la vague, ouais. Éventuellement, il fait bien le compromis, il se met facile dans un camion. Ou dans un coffre de voiture, soit les vagues, soit tu te rends pas. Ok. Comment est-ce que vous avez travaillé la glisse spécifiquement pour les vagues ouais, sur ce c'est produit? C'est une très bonne question. En fait, on a développé un rail spécifique qu'on a mis sur ces planches de surf. On le voit, je ne sais pas si on le voit bien. Et la particularité qu'il a, bon, il est soft, mais en plus, il présente un angle un peu plus vif qui permet d'avoir moins de turbulence et donc de mieux glisser dans la vague, de mieux accrocher dans les virages. Donc ça, c'est ce qu'on a mis sur ces planches-là. Et aussi, on a travaillé une épaisseur. Je crois qu'on est une des plus fines au monde en gonflable. On fait que 3 inches d'épais. Et du coup, vraiment, on peut vraiment attaquer plus dans la vague et faire des virages. Donc, elle est très, très maniable dans la vague. C'est sa particularité. Super. En termes d'aileron, on a un seul aileron central. Exact. Ça, on a changé. Avant, on en avait 3. Ouais. Ça la rendait plus dure dans la maniabilité. Okay. Et aussi moins compacte. Notre souhait, c'est toujours de développer la compacité pour l'emmener partout, toujours avec nous. Et avec un seul aileron, c'est largement suffisant dans les vagues et ça permet de faire un pli plus petit pour pouvoir l'appuyer plus serré, plus compact. D'accord. Toi, tu es un surfeur à la base, donc tu as pu la tester, non? Je fais ouais, waterman, moi. Je fais waterman. Subsurf, bien sûr, j'en fais beaucoup. Du surf, okay. Du foil, de la race. Okay. Tant que je suis dans la flotte, ça me va. Excellent, excellent. Donc, qu'est-ce qui est livré avec cette board alors, du coup? L'aileron, il y a l'aileron, le leash, et aussi on a travaillé un sac. En fait, le sac, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que écologiquement, les sacs qu'on proposait n'étaient pas très très bons. Et donc, on a été chercher des composants spécifiques qu'on appelle du biton. Donc, biton, ça veut dire qu'on ne colore pas on ne teint pas tous les fils. On a un sur deux, ce qui permet d'obtenir là, cette surface grisée. Et on consomme beaucoup, beaucoup moins d'eau à la production du textile. Donc tout ce composant-là, il est biton ou dope dye, c'est-à-dire teinté dans la masse. Et on a réduit énormément notre impact environnemental en travaillant sous ça. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on peut dire un petit mot sur l'aspect écologique chez ET8. C'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé en 2022 et 2023. Enfin, y a un gros shift dans vos méthodes de production et dans la philosophie aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non seulement il y a tout Décathlon qui nous pousse à le faire, mais aussi il y avait une prise de conscience environnementale assez forte au sein de la marque. Et maintenant, toute une dynamique se met autour de réfléchir à comment réduire significativement l'impact de tous nos produits. Donc on essaie de trouver vraiment les composants les plus adaptés pour réduire notre empreinte. D'accord.
Parfait, très bien. Bon, mais il n'y a plus qu'à tester. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce produit? Oui, il y a peut-être un truc assez spécifique aussi, c'est que là, on est en drop stitch tissé renforcé. Donc, en 3 inch, on est les seuls à le faire, je crois, au monde. Et on a rajouté des stringers en Dyneema qui la rend méga rigide parce qu'on pourrait avoir peur de sa raideur avec son épaisseur. Mais là, on compense largement et elle est super. J'ai hâte que tu l'essayes aussi. Et en quelle matière, tu as dit? Pas en carbone alors, les stringers? Non, Dyneema. Alors, c'est Dyneema, quoi ça? Officiellement, c'est pas du Dyneema, mais c'est un polyester haute ténacité. Ok. Mais c'est les mêmes genres de matériaux qu'on a dans les lignes de kite qui sont des fibres non extensibles. Donc hyper raide quoi. D'accord. Hyper raide. Très bien. Temps de gonflage, voilà. 1 minute 30. Tu m'as vu là, bah, j'ai jeté 3 filmé. Minutes. Ouais. 3 minutes parce que. Ouais, j'exagère un peu alors. Ouais, ok. Ouais. Enfin, ça a été très très rapide. 3 minutes. Ah oui, on a revu le pad parce que. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nose ride. Et avec le designer, on se dit, allez, on se fait plaisir. On met du pad jusqu'à la valve. Elle est idéale pour aller marcher jusqu'au bout. Voilà, aller marcher, mettre les deux pieds sur la valve et se faire des petits kiffs en gonflable. Ok. Un petit mot sur la valve, s'il te plaît. Je crois qu'on n'en a pas encore vraiment parlé. Elle est assez particulière, celle-ci. Ça, c'est vraiment une exclusivité ET8. Exclusivité ET8. Alors, les valves qu'on avait avant, elles étaient moins sécuritaires. On avait eu des soucis ou on s'était fait peur avec certaines valves. Donc on a vraiment souhaité travailler une valve beaucoup plus sécuritaire, facilement réparable également, et aussi qui ne permettait pas de faire des erreurs. On a eu trop de gens, je gonfle, au moment où j'enlève, boah, ça nous saute à la gueule parce qu'on n'avait pas mis le piston comme il faut. Ouais. Maintenant, cette valve, eh ben, elle ne permet plus ça. On ne peut plus se tromper. Okay. Donc, tiens, je vais faire une petite démo. Ouais. Quand on la dégonfle, en tournant juste le capuchon, ça fait un détrompeur pour le tuyau. Okay. Donc on ne peut plus se tromper. On peut régler le niveau idéal. D'ouverture. Okay. Et aussi plus de confusion possible avec la clé qui était vendue avant. Maintenant c'est vraiment un outil spécifique pour la changer si nécessaire. Mais donc elle a été éprouvée. Et donc là on est super fiers de la mettre sur tous nos produits dès que possible. D'accord. Allez, on va aller jusqu'au bout, on va parler du leash. Comment il est ce leash qui est fourni avec? Leash classique, on a fait un leash droit, toujours plus simple dans la vague. Ouais. J'ai travaillé les longueurs spécifiques pour soit pouvoir la mettre à la cheville et ou au genou. Ah ok. Voilà, on peut faire. C'est les mêmes Colayan, rien de spécifique. D'accord. On l'a juste vendu en pack avec. Okay. Si jamais il faut le changer, les Olayan font exactement le taf. Mais donc c'est du gros leash classique. Longueur Longueur, je crois que c'est un 10 pieds. D'accord. C'est un 10 pieds. Ok. Génial. Merci Matt. On va tester tout de suite. C'est parti. Allez, go. Youhou.